Les conflits d'intérêts sont partout. C'est particulièrement vrai pour les institutions financières et les professionnels de la finance qui travaillent avec les clients. Les conflits d'intérêts réels et potentiels peuvent avoir lieu entre un conseiller et un client, une société de courtage et un client, une société de courtage et les entreprises avec lesquelles elle fait affaire, et même entre les clients. Les conflits d'intérêts surviennent lorsque les intérêts de deux parties ne sont pas alignés, lorsque les intérêts d'un conseiller ou d'un courtier sont placés avant les intérêts de son client, ou lorsque la confiance d'un client dans son conseiller ou sa société de courtage est compromise. La source du conflit peut être liée à la rémunération, pratique incitative, rémunération par un tierce, commission intégrée, compte à honoraire, cadeaux et divertissement, commission de recommandation ou honoraire d'intermédiation, lié à un produit, recommandation de produits exclusifs ou de produits d'émetteurs connectés et liés, une allocation équitable, une meilleure exécution, des transactions principales, une négociation personnelle, des arrangements de recommandation, prêter ou emprunter de l'argent à un client ou encore acheter des actifs à un client ou lui en vendre directement, des activités commerciales extérieures, des conseillers siégeant à un conseil d'administration et des conseillers qui sont également en position d'influence, comme un chef religieux, un travailleur social, un consultant en immigration, un instructeur collégial ou universitaire, un agent correctionnel ou un fournisseur de soins dans une résidence avec service d'aide. Certaines sociétés de courtage ont répertorié des centaines de conflits d'intérêts dans des documents vivants qui évoluent et se développent au fil du temps, lorsque de nouveaux conflits et des conflits potentiels sont repérés. Dans ce cours, nous parlerons des types de conflits d'intérêts les plus courants et de ce que les organismes de réglementation attendent des courtiers et des conseillers pour la gestion de ces conflits, mais nous parlerons également de la façon de comprendre et repérer un conflit d'intérêts afin de ne pas avoir à se fier à une liste infinie de conflits ou à la mémoriser. Nous verrons comment déterminer l'importance d'un conflit et comment l'aborder dans l'intérêt de votre client. C'est parti!